passé une révélation, le contact avec les animaux sauvages. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Julie, c'est vraiment qu'elle se sente animale parmi les animaux. Je m'appelle Julie de Bonnat. Je suis actrice et je vis à Paris. Et là, pour la première fois, je me retrouve au milieu de la savane. Avec Julie et avec Perrine, on a décidé d'aller à la rencontre de ces sociétés animales qui sont là depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps que nous, qui ont appris à vivre dans leur environnement, qui ont appris à vivre entre eux. C'est un programme qui nous emmène vraiment au contact de la grande faune sauvage, pour ressentir, pour découvrir. C'est essayer de comprendre ce que les animaux ont à nous offrir en termes de savoir et de société. J'ai l'impression de faire partie de leur vie, d'être un tout. Je me sens bien. On fait partie du même monde, en fait. Non, ne cours pas, ne cours pas, ne fais pas de bruit. Qu'on apprenne à coexister avec les animaux sauvages. Il ne reste plus que 3% de mammifères sauvages sur Terre. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était surtout pouvoir offrir à Julie une expérience unique dans ces grands parcs animaliers en Tanzanie. Nous n'avions pas de garde armée. Nous étions dans la nature, avec les animaux sauvages, sans personne pour nous protéger. Il y a peu d'endroits où il y a aussi peu d'humains et autant de nature. On fait partie de la nature, ça c'est une chose, mais là, pour le coup, on le ressent. Et c'est dans ce programme ce que j'ai voulu faire sentir à Julie. Et en plus, elle était vraiment dans cette quête. Elle avait envie de ça. Là, en tout cas, le fait de les voir en liberté, là, dans la nature, je me dis que ça m'a bouleversée, je sais pas pourquoi. Et ce qui est incroyable avec Julie, c'est qu'elle, elle a un sixième sens. C'est un peu un radar, Julie. Et elle nous a souvent alertés sur des choses qui allaient se passer que Diego et moi n'avions pas vues. Moi, ils m'ont énormément aidée. Il y a eu des messages des animaux pour moi forts. Est-ce que je peux m'en mettre là parce que je vois mieux? Vas-y, il n'y a aucun souci, regarde. Ils sont tout à fait apaisés. Déplacé, je vais venir avec toi. Ah oui. Ouais, je vois mieux. C'est vrai que la disparition des espèces, c'est un drame écologique, mais un drame humain aussi pour nous, non? Je crois qu'amener Julie en Tanzanie a été un cadeau pour elle, mais je crois que ce sera aussi un cadeau pour les téléspectateurs de France Télévisions. Je crois que c'est ça le message du film, c'est d'essayer de comprendre qu'en fait on a beaucoup de choses à apprendre de la nature et qu'il faut arrêter de penser qu'on a les réponses à tout.